retrouve pour une nouvelle vidéo sur Spartan Total Warrior. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, si vous vous rappelez bien, on avait pris d'assaut les portes de Saturne, hein, ce grand château, cette grande citadelle romaine, hein, voilà. On avait réussi à défoncer beaucoup de Romains, on avait réussi à bien pénétrer la citadelle jusqu'à ce qu'on tombe nez à nez face à Sejan qui était revenu entre les morts alors qu'on l'avait tué à Athènes, hein, après que lui-même ait tué notre ami Pollux. Et ben là il est revenu à la vie et donc il va falloir le retuer à nouveau pour que Pollux puisse reposer en paix, hein, très clairement. Et donc la dernière fois j'avais mis sur pause, mais si on enlève la pause vous allez voir que Sejan nous a fait revenir d'entre les morts des amis qu'on connaissait bien et ce sont les zombies, voilà. Cet enfoiré a fait sortir des zombies grâce à sa sorcellerie, hein. Il nous l'a déjà fait dans la cité de Troie, et ben c'est reparti, hein. Vous pensiez que les zombies c'était terminé, eh ben non, ce n'est que le retour, voilà. C'est le retour des zombies. Ça fait depuis la cité de Troie qu'on les a plus vus, eh ben ils sont de nouveau là, quoi. Ce qu'on va faire c'est simple, parce que comme vous pouvez le voir, on est coincé, on est obligé de se les faire. Et donc, quand on est obligé de se les faire, eh ben, on va les figer, au moins on n'est pas obligé de les écraser. Hein. Parce que comme dit, quand on tue les zombies, il faut encore les écraser après. Voilà, comme ça, on les écrase pour les achever. Et on fait gaffe, parce que comme dit, les zombies sont très puissants, ils font très mal, même s'ils sont très lents. Donc hop, voilà. Là, on achève à nouveau. Ok. Plus de sang, encore plus, la fameuse voix toujours présente. Et c'est bon, ils ont ouvert les portes en face, donc on peut se barrer. Donc comme je fais d'habitude, hein, je vais pas m'attarder trop sur certains combats et je vais rusher comme je peux. Vite, 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 monte, monte, monte. Ah, je brûle. Je suis en feu. Wouhou. Allez, tu meurs. On active ceci, et oui, je vais très vite parce que je sais ce qu'il faut faire, quoi. Donc on active ça pour pouvoir défoncer la porte par laquelle on va devoir passer maintenant. Et on va vite y passer parce que j'avais totalement oublié qui me suivait. J'avais totalement oublié qui me suivait. Vite, 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 poussez-le lui, poussez-le lui. Voilà, ok. J'avais oublié qui me suivait, les bâtards. Oh, eh ben je suis mort, je suis mort. Eh ben c'est magnifique, ellipse. Zombies, avec le javelot d'Achille, je vous buterai tous. Mourez des flammes de l'enfer. Voilà, ok, c'est bon, ils vont vers les portes. Donc là, on y retourne. Mais cette fois-ci, on les viole. Vite bouger, il va exploser. Allez. Mourez. Les flammes ne font plus rien. Mourez tous. Par contre, les explosions, ça me fait toujours mal. Donc on va éviter. Les flammes ça me fait pour rien, mais les explosions ça me fait mal. Attention, ah putain il reste lui. Meurs. Merde, il était déjà mort. Donc du coup ça a pas marché. Ok. Cette fois-ci, on va les buter là. Voilà, il y a un peu de zombies avec, mais on s'en fout. Allez, voilà. C'est surtout les vrais Romains qu'il faut buter, les zombies. Eux, ils peuvent pas monter les échelles. Mais c'est vrai qu'avant, j'ai voulu un peu trop rusher, un peu trop précipiter les choses. Et j'ai totalement zappé que les Romains bah, nous suivent. Hein, là, ils sont pas cons, ils vont nous suivre et vont monter les échelles pour essayer de nous buter. Donc là, hop, on se refait lui. Tu bouges de là. Là, on redéfonce la porte pour pouvoir continuer notre avancée dans cette citadelle romaine. Voilà. Donc là, on peut redescendre, parce que bien sûr, avant, je pouvais pas redescendre l'échelle, vu qu'il y avait des Romains qui l'utilisaient. Hein. Et là, une fois de plus, en voulant aller trop vite, eh ben, j'ai perdu un peu de vie, que j'aurais pu économiser, mais bon, c'est pas grave. Quand tu sors de là, il faut l'empêcher d'atteindre le levier ouvrant la porte principale. Sinon, c'est Jeanne nous tuera, ou pire. Voilà, donc maintenant, il faut ouvrir les portes pour que nos alliés puissent rentrer, hein, pour que tous nos alliés puissent rentrer, Castor, les Spartiates, et du coup qu'on ne soit pas seul contre 10 000 comme c'est le cas d'habitude, quoi.
Donc là, il va falloir vite, vite aller ouvrir la porte. Juste là en bas, du coup, avant qu'on se fasse violer, comme c'est un peu le cas. Donc on va un peu rush les gens. Parce que plus vite on va ouvrir la porte, plus vite nos potes seront là pour nous aider. Donc on va vite rusher. Allez, vite! Run for your life, Spartiate! Run for your life! Vite, on prend un peu de magie, je sais que ça fait perdre un peu de temps, mais c'est là pour ça donc on l'utilise. Allez vite, on y est les gens, c'est juste ici. Eh non, enfoiré, tu ne mourras pas, c'est moi qui va activer le levier. Et voici les renforts. Protéger les prêtresses, elles sont bien plus importantes que vous. Ce sont elles la source de mon pouvoir. Alors là, on a entendu une grosse voix qui disait clairement de protéger des prêtresses, c'est des genres de sorcières qu'on a pu le voir là. Et du coup, ben nous, quand on n'est pas con, eh ben on va essayer de se les faire, hein, ces prêtresses. Hein. Voilà. Donc là, on récupère de la vie pour être à peu près bien. Et comme dit, là maintenant, on va vraiment rusher les gens, sinon on est encore là demain, je sais, je suis pas quelqu'un de rigolo, je tue pas tous les Romains. Mais bon, voilà, comme dit, il faut buter les prêtresses, donc on va tout de suite aller voir la première qui est juste ici, hein, grâce au point rouge sur la carte. Et d'ailleurs, la voix qu'on a entendue, c'était pas celle de Sejan, hein. C'était une voix, mais qu'on ne connaît pas encore, ou qu'on a déjà entendue. Voilà, donc là, le délire, c'est quoi? C'est qu'elle va nous prendre tout notre mana, voilà. D'ailleurs, les enfoirés nous tapent. Donc voilà, donc on a perdu toute notre magie, on a regagné toute notre vie, et là, du coup, on est dans une sorte de... une sorte d'autre dimension, hein, voilà. Donc le but, ça va être quoi? Ça va être, voilà, ça va être dès qu'elle relâche sa garde, il va falloir tirer des flèches. Parce que là, si vous regardez autour d'elle, elle a une petite protection transparente. Et c'est dès qu'elle essaie de vous attaquer, elle lâche sa garde. Donc voilà, elle baisse sa garde. Et voilà, et on lui fout une flèche. Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir faire, quoi. Tout en faisant attention à ce qu'elle ne pousse pas dans le vide. Parce que sinon, c'est la mort. Et faire attention aux Infernus romains qui sont placés par-ci, par-là, quoi. Voilà, donc pour aller plus vite, on peut faire comme je viens de le faire, ça veut dire bourriner comme ça. Donc là, on va juste aller chercher des flèches, parce qu'on va en avoir besoin, parce qu'il y a d'autres prêtresses à faire, hein, voilà. Et du coup, apparemment, les prêtresses, hein, je vous le dis, c'est grâce à elles que Sejan a pu revenir à la vie. Hein. Mais apparemment, ce n'est pas Sejan qui les a invoquées, c'est quelqu'un d'autre. Wow, comme dit les prêtresses, c'est pas Sejan qui les a invoquées, c'est quelqu'un d'autre. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est grâce à ces prêtresses que Sejan peut revenir à la vie autant de fois qu'il veut. Donc, avant de retuer Sejan, il faut d'abord s'occuper de ses prêtresses, quoi, tout simplement. Donc c'est parti, on va se faire la deuxième. C'est pour ça que je rush beaucoup, hein, voilà. Donc là, des Infernus romains, mais on s'en bat les steaks, on rush comme un fou. Cette fois-ci, on va pas se faire griller, voilà. Et on fait la deuxième prêtresse. Voilà, donc elle nous prend tous nos pouvoirs, voilà. Alors qu'il y a un Romain juste derrière, d'accord. Voilà, et cette fois-ci, on a deux, les gens. Il y en a deux, mais il n'y en a qu'une qui est vraie. Donc on va se débarrasser des Infernus. Donc là, voilà, donc c'est elle la vraie. Elle, c'est une fausse. Enfin non. Apparemment, les deux, c'est des vraies. J'ai rien dit, en fait, les deux, c'est des vraies. Donc là, le truc chaud, c'est comme dit, il faut surveiller les deux. Mais des fois, notre Spartiate, il vise des Infernus. Hop, 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 hop. Ok, donc là, on a tué une. Voilà, donc c'est ça, en fait. On a tué une, et du coup, il n'en reste plus qu'une. Voilà, les Infernus, ils sont juste là. Voilà, si on se rapproche trop du rebord, ils nous crachent, voilà, ils nous tirent avec leur lance-flamme. Et ils sont aussi là pour nous faire chier, parce que quand on veut viser la prêtresse, eh ben des fois, on les vise eux, quoi. Voilà. Donc là, vous avez peut-être vu que si on leur tire des flèches alors qu'elles ont leur protection, eh ben elles nous renvoient les flèches en mode flèche de feu, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours attendre qu'elles baissent leur garde pour pouvoir leur tirer dessus. Sinon on se prend des flèches de feu dans la gueule. Donc là, on récupère de la vie, hein, vu qu'après on peut pas retourner ici. Même si je crois que quand on ressort du monde, eh ben on récupère toute notre vie, je crois. On récupère toute notre magie, mais je crois qu'on récupère aussi toute notre vie. Ah non, même pas. C'est juste ici, voilà, qu'on peut récupérer notre vie.
Bah, donc on voit la grande citadelle et tout. Et d'ailleurs, là-bas, regardez. On voit peut-être pas bien d'ici, mais là-bas, on voit une silhouette. Voilà. Sur la tour, là-bas, on voit une petite silhouette. Et on se demande c'est qui. Enfin, du moins, vous, peut-être. Donc du coup, c'est parti. On va se faire la dernière prêtresse, parce que je crois qu'il en reste plus qu'une. Donc c'est parti, hein. Les Romains sont venus d'ici, la porte est ouverte, donc on y passe, hein, voilà. Laissez entrer vos hommes dans la cour. Donc là, il fallait, ça va être comme avant, il va falloir de nouveau ouvrir le levier. Donc là, c'est un peu plus rapide qu'avant. On descend ici, et du coup, on actionne le levier juste ici, pour que nos amis viennent nous aider. Ouais, Castor est avec eux, et ça fait plaisir, ça. Tuer ces carniflex. What the fuck? Tuer les carniflex. Ah oui, ok. Ah, d'accord. Il s'appelle comme ça, voilà. Donc maintenant, on sait comment il s'appelle, les longues épées. Voilà, c'est les carniflex, ou je sais pas trop quoi. C'est un peu plus compliqué à retenir que les centurions, mais bon. Donc attendez, on va juste utiliser le bouclier méduse. Voilà. Et on va en profiter pour les violer. Voilà. Voilà, on les viole. Comme ça. Voilà, on les viole. Allez. Merde, il est ressorti de sa fissation, de sa transformation en pierre. Non, achève-le. Et toi, tu meurs, espèce de connard. Voilà. Génère, hein, quand on fait trop mal, génère. Non, il faut couvrir Castor pour qu'il aille nous ouvrir une porte un peu plus haut. Donc c'est parti, on le suit. Alors qu'il y a des archers là, bien entendu. On est dans la forteresse romaine, donc c'est un peu normal. Bien sûr, Pollux, merde, que dis-je, Castor n'est pas capable d'ouvrir les portes. Hein. Enfin, d'abaisser les leviers, il n'est pas capable. C'est à moi de le faire. Coutez-lui l'appel pour qu'il puisse avancer. Merci. Donc c'est parti, il avance. Voilà, on se débarrasse des archers. Bougez de là. Vas-y, Castor, défonce la porte. Fous la paix à mon pote. Vous avez déjà tué un de mes potes, vous n'avez pas tué le deuxième. Et là, c'est bon. J'entre là-dedans. Et voilà, tuer la prêtresse. Voilà, je crois que c'est l'avant-dernière. Donc pour ceci, ça va être simple, je pense. Enfin, je crois que ça va être simple. Je crois qu'il y a quelque chose de spécial à faire. Ouais, je rappelle ce qu'il faut faire. Il faut tout simplement faire sauter un Infernus romain près de la porte pour qu'il puisse faire éclater la porte. C'est ça le truc. Donc attendez, on récupère un peu de magie. Donc là, il faut faire sauter un Infernus romain près de la porte. On se débarrasse d'eux parce qu'ils sont relous. Donc pour ça, on va utiliser l'arc enflammé. Voilà. Attention, cet enfoiré, regardé. Vous avez vu, il fait exprès d'aller vers nous pour pouvoir nous sauter. Alors attends, on se débarrasse d'eux parce que là ils font chier. Allez, meurs. Voilà, merci. Ah mais ils font que revenir. Voilà, donc là il faut bien qu'il explose ici. Voilà, j'ai pris un peu cher. Mais c'est pas grave. Écoutez, on y va pour l'avant-dernière prêtresse. L'avant-dernière, j'allais dire la dernière mais non. C'est l'avant-dernière. Ok, donc c'est bon, on récupère toute notre vie. Donc là, ils sont de nouveau deux. Mais il y a plus d'Infernus. Attention pas qu'elle nous pousse dans le vide. Hein. Je sais pas laquelle va tirer en premier, celle. Ok, l'autre. Et voilà, vous avez vu, c'est comme je vous disais. À la place de viser les prêtresses, je vise ces putains d'Infernus là. Donc il faut les buter. Hein. Vous avez vu, je vais tirer dessus alors qu'elle avait pas enlevé sa protection, je lui ai pris une flèche en feu. Oh le bâtard! Yes, il a fait sauter la prêtresse. Ok. Attention. Ah, ils sont chiants avec leur tir. Ah, faut buter tous les Infernus, hein, parce que là ils sont relous. On va vite récupérer la vie, on va faire attention à pas ce qu'elle nous pousse. C'est l'une des pires choses à faire, je sais. Parce qu'elle peut facilement nous pousser en vide et donc on peut facilement mourir. Vite. Ok, pas grave, elle m'a raté. C'est plutôt tendu. Ah là, elle a failli me pousser dans le feu. Allez. Ok, une de mort. L'autre, j'ai touché.
Si j'ai de la chance, non, elle a refoutu sa protection. Pas grave, attention, elle va me foncer dessus. Vas-y, vas-y, enlève ta protection. Enlève-la. Attention, pas qu'elle me fonce dessus. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Du coup, avant de ressortir, on va se mettre full vie parce que là, on a vu qu'il n'y avait pas de totem de vie à la sortie. Donc, voilà, on se remet full vie parce qu'on voit là que c'est vraiment chaud, là, cette citadelle romaine, hein, les ports de Saturne. C'est très très chaud. Ah bah si, il y avait un truc de vie, je l'ai pas vu. D'accord. Et voilà, tuer la dernière prêtresse alors qu'on entend les Romains dire mort aux Spartiates là. Ok, j'étais en train de me dire, la porte elle s'ouvre là ou quoi? Je me suis posé la question. Donc là, c'est simple, il faut tout simplement retourner en bas. Ah, on peut le voir d'ailleurs, vu le nombre de Romains qui foncent dessus. Foutez-moi la paix, vous me tuerez pas, je suis le légendaire Spartiate. Même le jeu l'a dit. Allez, c'est parti, on va se faire la dernière prêtresse. La musique a changé et tout, avec cette musique épique qu'on a déjà entendu souvent et qui est vraiment épique. C'est parti. On va se faire la dernière prêtresse alors qu'il y a plein d'archers, mais on s'en fout. On les ignore, nous. Tout ce qu'on veut, c'est avancer. Allez, c'est parti, les gens. Dernière prêtresse. Donc là, ça va être plus chaud, vous le pensez bien. Il y en a trois, voilà. Il y en a trois, donc on va se faire l'Infernus qui est là, parfait, ils font dans le vide. Attention. Ah, ils font assez mal. Vas-y, tire sur elle, tire sur elle. Tire pas sur l'autre. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Allez, allez. Elles sont de plus en plus rapides, de plus en plus chantes et surtout de plus en plus résistantes. Ok, c'est elle là-bas. Ok, tu meurs. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages aussi. Voilà, tombe dans le vide. Aïe. Elle m'a poussé. Il y a elle, elle. Je sais pas où elle est, la troisième. Peut-être qu'elle est morte, je sais pas. Ok, elle, elle. Ouais, la troisième, elle est plus là, je crois. Ouais, il en reste plus que deux. Ok, ok, ça va. On les gère bien, on les gère bien. Il me reste plus de vie flèche, ça va être un peu chaud. Qui en premier? Ah, ils en étaient sûrs. Hop. Ok, il en reste plus qu'une. Nickel. Alors on va buter l'Infernus qui est là, au moins on est sûr qu'il va pas faire chier, voilà, d'ailleurs c'est même elle qui a poussé, hein, merci beaucoup. Tu meurs, allez, ok, il n'en reste plus qu'une normalement, où est-elle? Où est la dernière? What the fuck? Me dis pas que ça a bug. Non, elle est où? Je me disais bien, la troisième, elle a disparu. Regardez, elle est là en bas. Ah, mais elle est en train de remonter, regardez, elle remonte. Elle est là en bas. Ok, en fait, la troisième, elle avait bug. Elle allait tellement... Enfin, je l'ai poussée tellement loin. Elle est descendue tellement bas. Que là, le temps qu'elle remonte... Ok, mais je me disais bien, c'est bizarre. Pourtant, j'en ai pas tué... J'en ai pas tué, il en reste plus que deux. Ok, bon, j'ai eu peur. J'ai cru vraiment que le jeu, là, il avait bug, quoi. Allez, allez. Allez. Putain, plus quelques flèches, c'est fini. Quelques flèches et on en finit avec la dernière prêtresse. Allez. Allez, et c'est fini. Nickel. Allez, on ressort tout de suite. Et là, les gens. Assassiné, c'est Jeanne. C'est reparti. Une fois de plus, combat contre Sejan, donc une fois regardé la tête qu'il a, hein, il a vraiment changé. Donc là, il va plus se servir des morts vivants pour nous buter. Et il a toujours ces fameuses attaques bien chiantes. Vas-y! Je te défonce, moi! Il a failli me pousser dans le vide. Donc là, on est sur la fameuse grande tour, avec la fameuse silhouette dont je vous ai parlé, hein, voilà. Donc c'était Sejan, hein, je pense que vous l'aurez deviné. Donc hop! On y va. Donc là, le truc de chance, c'est qu'à chaque fois, il va se barrer à un autre endroit. D'ailleurs, on voit que mon bouclier méduse fige les adversaires qu'il y a là-bas en bas. Donc, regardez, il est là. Donc on va essayer d'y aller au javelot d'Achille. Hein. Le fameux javelot dont il nous a fait tellement chier pour essayer de l'avoir. Ah, vous avez vu, il y a tout qui est fait pour pas qu'on puisse vraiment l'enchaîner, quoi, on va dire. Allez, meurs!
Là, si je vais tellement vite les gens, c'est parce qu'il me reste plus que 3 minutes en fait sur le record. Donc peut-être que je vais devoir aller tout mettre sur l'ordi et recontinuer après. Hein. C'est ça, essayer d'aller en fait hyper vite là. Ok, il est là, il est là. Allez, c'est Jeanne, on a buté tes prêtresses. Tu vas plus pouvoir revenir à la vie. L'orage, on va pouvoir enfin venger notre ami Pollux. Il est où? Il est là. Et tu meurs. Adieu, c'est Jeanne. Voilà. Sans ses prêtresses, il ne reviendra pas à la vie. Pollux peut enfin reposer en paix. Et voilà, niveau terminé. On a retué Séjane, on a pris les portes de Saturne, parce que lui, le fait de tuer Séjane, ça fait qu'on a gagné cette guerre, on a réussi à prendre cette citadelle, et on avance donc de plus en plus vers Rome, vers l'empereur Tibère, cet enfoiré. Enfin bref, Pollux peut enfin reposer en paix. Donc là, si je suis allé très très vite pendant ce combat, je suis désolé, là, j'ai focus Séjane, je m'en foutais des zombies ou des soldats. Mais voilà, c'est parce que là, il reste plus que 2 minutes, et donc on va cesser là, les gens. J'espère que vous aurez aimé en tout cas cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Merci de l'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Bonne journée, bonne soirée. Ciao !